Renforcer davantage l'axe Brazzaville-Nouakchott par les échanges réguliers de délégations entre le Congo et la Mauritanie, c'est la volonté affichée ces dernières années par les deux pays, déterminés à œuvrer pour une coopération bilatérale diversifiée et fructueuse. C'est dans ce cadre que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu ce 24 janvier avec Madame Koumba Ba, ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie, porteuse du message écrit du président Mohamed Ould Ghazouani à son homologue congolais. Au cours de ces échanges, le chef de l'État congolais et l'émissaire du président mauritanien ont passé en revue l'état de la coopération entre les deux pays avec un accent particulier sur la nécessité d'ouvrir dans les prochaines années une banque au profit des ressortissants de la Mauritanie vivant au Congo. J'étais porteuse d'un message de son frère Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour d'abord lui faire part de sa gratitude, de toute la bienveillance dont bénéficie ici le peuple mauritanien, et aussi d'échanger sur les questions bilatérales compte tenu des relations séculaires qui existent entre les deux pays. Et il a été question de la colonie, notamment de l'ouverture d'une banque qui va permettre à la colonie mauritanienne de faire appel à des fonds ou de transférer des fonds dans le cadre de leur activité économique ici au Congo. Cette rencontre a permis aussi au ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie de saluer le leadership du président congolais sur les questions de paix et d'environnement en Afrique. Avant, il y avait un consulat. C'est à l'arrivée du président Ghazouani que c'est devenu une ambassade. La Mauritanie a élevé sa représentation au niveau d'ambassade. Compte tenu des deux chefs d'État échangent sur toutes les questions africaines. Et le président m'a chargé aussi de féliciter et de remercier et d'encourager le président Denis Sassou Nguesso face à son leadership incontestable au niveau africain pour les problèmes africains. À noter que le Congo et la République islamique de Mauritanie ont établi leurs relations diplomatiques en 1960.